Nathanaël répliqua : De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Philippe répond : Viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande : D'où me connais-tu ? Jésus lui répond : Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit : Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend : Je te dis que je t'ai vu sur le figuier, et c'est pour cela que tu crois, tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute : Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes devenu le chemin du Christ.
Vous êtes devenu sacrement du Christ. D'où saint Paul dira, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vous vit en moi. Le Père, Serge Fatigue, en célébrant l'Eucharistie, ce n'est plus lui qui célèbre, chers frères et sœurs. En proclamant la parole de vérité, ce n'est plus lui qui la proclame, c'est le Christ qui proclame cette parole. Et j'ajouterai même, quand le Père Serge Fatigue boit du vin, chers frères et sœurs, ce n'est plus lui qui boit le vin, c'est le Christ qui boit le vin en lui. Chers frères et sœurs, oui, cher Père, cette configuration de votre être à l'être du Christ, pasteur, chef, serviteur et époux de l'Église, est un processus permanent et vital qui doit se vivre dans la constance. Comme ce suis-moi vous est adressé tous les jours, ainsi nous devons y répondre dans la constance du oui permanent. Avec preuve et témoignage, nous pouvons affirmer avec humilité que notre Père, notre Frère, l'abbé Serge Patrick ici présent, a toujours été visiblement constant dans son ministère, au point où, à cette constance, dans sa réponse au Christ, a été assimilé un zèle. Mais le Christ ne dit-il pas, le zèle de ta maison me dévore. Chers frères et sœurs, vaut mieux être zélé pour les choses de Dieu que d'être zélé pour les choses du monde. Le tout n'est pas d'être prêtre pour un seul jour, mais de le demeurer chaque jour de notre vie, dans les fatigues, dans les paresses, dans les questionnements, dans les refus, dans parfois même le rejet de ce que nous sommes, au nom des situations et au nom de ce que vit et dit le monde sur nous. Philippe avait sûrement ses choses à faire. Il avait sûrement ses choses à faire en Galilée, mais il a fait confiance à cet inconnu qui le connaissait mieux que lui-même. D'où cette réponse donnée à Nathanaël, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. Pour Philippe, en fait, voici le point final de toutes ces quêtes permanentes. Voici le point final de ces quêtes humaines, le Christ. Le Christ est véritablement celui qui répond à la question de l'homme et celui qui répond à la question de tous les prêtres. La question que le prêtre pourrait se poser sur son état, la question que le prêtre pourrait se poser sur son ministère, le Christ est le seul capable de répondre à ces questions. La constance, chers frères et sœurs, manifeste que le Seigneur est à nos côtés. Il est celui qui soutient notre être de prêtre, pas seulement le jour de notre ordination, mais tous les jours de notre vie. Et cette constance, chers frères et sœurs, se fortifie sous l'autel du Seigneur et dans l'autel du Seigneur. Le prêtre n'est rien sans l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, l'être du prêtre se meurt. Sans l'Eucharistie, l'être du prêtre devient mondain et sans saveur spirituelle, au point où on le voit, mais on ne voit plus le Christ. On le voit, mais on ne voit plus la parole de vérité. On le côtoie, mais on ne côtoie plus le Christ. On le côtoie, mais on le côtoie simplement un mondain, chers frères et sœurs. Parce qu'en fait, la constance, l'être n'est plus au rendez-vous. Chers frères et sœurs, l'abbé Serge Patrick, au-delà des éloges, au-delà de sa personne, au-delà de la fraternité, nous savons que l'autel du Seigneur est le lieu de votre sanctification et de votre zèle, qu'il en soit toujours ainsi, cher Père. Chers frères et sœurs, l'autel du Seigneur dans ce monde est véritablement la station de notre pèlerinage. Et un moine disait ceci, s'il arrivait que dans notre monde d'aujourd'hui, on nous épargnait ou encore on notait la célébration eucharistique, notre monde serait sans saveur. Oui, chers frères et sœurs, l'autel est le lieu où nous refusons d'être mondain. C'est le lieu où nous refusons que notre être de chrétien soit donné aux choses du monde et ressemble aux choses du monde. L'autel du Seigneur, chers frères, est le lieu où l'histoire ne nous oublie pas. Noël Roy, le curé d'Ars, ont été ce qu'ils sont, aujourd'hui pour chacun d'entre nous. C'est parce que l'autel du Seigneur a été au centre de leur ministère. Oui, chers frères, chers pères, chers frères et sœurs, si nous voulons véritablement que l'histoire ne nous oublie pas et que nous ne soyons pas nous-mêmes enfermés dans l'oubli de l'histoire, il est primordial que l'autel prenne et devienne pour nous le centre de notre histoire. Chers frères et sœurs, chers pères, le suis-moi du Christ se trouve dans notre être, dans la constance, se trouve véritablement rempli, nourri dans la constance et sur le thème. Comme Philippe, osons faire confiance à cet homme Dieu qui a pris notre humanité, qui nous connaît et qui connaît nos chutes et nos relèvements.
Cher Père, notre être de chrétien doit vivre dans la constance, et cette constance trouve sa force sous le tel du Seigneur. Encore une fois, cher Père, suivez le Christ, soyez-vous. Et pour ceux qui l'auraient remarqué, la collègue de ce jour nous dit, sinon le Père m'a dit tout à l'heure, que je sois uni l'être. Que j'annonce l'Évangile avec empressement dans la constance, que je célèbre les mystères, chers frères et sœurs, le thème. Que chacun d'entre nous ici, en tant que témoin de cette vie de la Bienséance Patrie, soit véritablement aussi porteur de cette intercession dont il aura toujours besoin. Chers frères, 21 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas assez. 21 ans, c'est beaucoup, mais il y a encore des choses à faire. Que ces 21 ans ne soient pas un garage, mais que ces 21 ans soient un lavage pour la seule gloire de Dieu et pour le salut de nos frères et des hommes. Amen. Amen. Père de paix, le centre de notre existence. Père de paix, la raison de notre vie. Père de paix, le lieu de la rencontre quotidienne avec le ressuscité. Faisons de ce qu'elle rassemble le lieu où on vers Dieu, chacun de nos prières, ensemble.
Seigneur, nous te prions. Thank you.
Thank you.
C'est la grandir notre charité en union avec notre pape François.
les mairies de Basile et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tes serviteurs, Abbé Judas et Mouda, Abbé Edmond, qui ont quitté ce monde et que tu appelles près de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de ton fidèle, souviens-toi des deux femmes de la famille qui m'avaient servi de patrie, toutes ces personnes qui s'endorment dans l'indifférence. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui vont venir aujourd'hui, accueille-les dans la lumière de ton salut. Surtout, sans fin, nous adorons ta bonté. Nous adorons ta bonté sur les sièges partis qui, dans ce jour, célèbre par son verset d'ordination. Seigneur, nous voulons que tu sais combien il a avancé pour pardonner aux sœurs et sœurs de maintenant. Tu sais combien il t'a aimé, combien il a pleuré pour présage tes filles et fils par guerre jusqu'à toi. Alors, pour cela, nous rendons grâce et nous implorons pour lui grâce, bénédiction, protection, habitation, persévérance dans sa mission. Que votre vie sache toujours répondre à l'appel et qu'il veut faire dans son récit. Tu connais le Seigneur les aspirations profondes de sa vie. Tu connais ses projets, ses désirs. Réponds promptement à chacun de nous. Avec lui, notre confiant, les années avant, Elias et Jean-Paul. De la maison, Seigneur, donne à chacun de recevoir le droit selon la maison, pour que son ministère de prêtre rayonne et aide les hommes, les femmes, les enfants de l'enfant à marcher les ombres vers toi. Nous te prions pour tous ceux qui sont ici. Notre présence ici manifeste un attachement à l'Église catholique, à chacun répond favorablement, à ceux qui désirent un conjoint, un enfant, un endroit, répond Seigneur, à ceux qui n'appellent pas pour les gens pour toi se connaître, comme le chacun de ce que tu as besoin, malade, apporte la santé, personne, dans l'angoisse, la tristesse, apporte la joie, ceux qui sont dans le doute, apporte la sérénité. Et à notre peuple, Gabon, donne-nous de travailler une fois par jour pour qu'advienne un Gabon. Aidez-vous que les hommes, les femmes se retrouvent et sont dans la joie et à miséricorde. Permets à l'Éternel du Marie, à l'heureuse Marie, à l'Église de son époux, les apôtres de tous les saints qui ont fait la joie des âges, nous ayons part à la vie éternelle, nous changeons ta voix, ta voix, ta voix, ta voix, Jésus. Oh.
attirant à se changer, ira à l'eau de la vie, et pour finir, à la mer par mon fils et mon conseil. La belle Christ. Une âme disait un jour dans le sonat, elle disait que le sourire
que le Seigneur aura à se souvenir finalement et l'identité même du chrétien, parce que dans le parle de Dieu, le chrétien est très bien, il sait que malgré les péripéties, le Seigneur se porte. Au final, si on devait consulter quelques jours tous ici ou dans le sort, les oublier plus de 100 ans de protection divine. Je crois qu'on apprendrait simplement cette expression que le Seigneur vous donne encore un ministère joyeux comme le vôtre, qui vous donne de longs jours sur la terre pour aider chacun, qui vous donne la puissance de faire de toujours servir et servir vos frères, qui met dans vos cœurs assez d'amour pour que vous sachiez que lui aimait chacun de vous, qui vous donne la foi.
d'autres vocations naissent dans la famille. Nous avons un fils dans la famille, un fils de notre sœur qui est conseillère et qui, dans quelques années, sera sûrement au sein de notre ordre de prêtre. Donc, c'est dire que les plus qu'on peut apporter la famille éternelle et merci à M. Lamé pour continuer, malgré les difficultés, sur le chemin qu'il a choisi de la fidélité au Christ. Alors, terminez, je voudrais simplement demander une seule chose ce soir en rentrant que chacun dise simplement en guise de joyeux anniversaire de la paix et d'appel Maria et la mère Marie, la mère de l'Église, la mère de Dieu, puisse toujours l'accompagner et nous guider dans son ministère. Merci Père. Merci, monsieur. Après la célébration,
ceux qui ont encore un petit peu de temps, nous sommes invités à prendre un petit verre au niveau du presbytère. Merci encore. Je vous remercie. Et elle est aussi là, elle est aussi
je suis heureux. Et dans sa maison, il y avait aussi un autre petit frère qui était en grand cœur. Et il avait une passion pour ses services de l'hôtel, une passion pour le football. Et avec le football, l'école a commencé à prendre un coup. Nous sommes entretenus, je lui ai dit que tu as encore peur et tu n'as même pas d'accord pour rien, tu ne sers plus la messe. Et pour le moment, tu ne sers plus la messe. Et quand tu auras d'accord pour rien, tu repartiras à l'hôtel. Ah, c'est difficile, d'accord pour rien. Et il m'a appelé le maître de rien et il a trouvé son corps. C'est mieux de lui dire que tu t'allais. Et des années après, à son baccalauréat, il a demandé à la Béliasse qui était curé de cette fois, que me commande-moi, parce que le prêtre a pu avec cette partie, je veux aussi devenir prêtre. Il a fait lui dire, le fils prêtre, il m'a dit merci, j'ai demandé, que je vais aller ma mère. Je n'ai pas voulu bien prêtre, ça m'a pas mal plus heureuse. Lui aussi, il est séminaire. Je suis heureux que la foi au Seigneur m'a appelé au portier et que je reçue ma mère puisse m'enflammer dans le jardin qui reprend aussi la paix du Seigneur et rend le Seigneur pour devenir prêtre. Merci, Père, et merci à ce aussi un peu la même histoire ici avec notre directeur, le Père Maria, qui, en venant célébrer une messe pour un mois à la cathédrale. Quand il était déjà au Seigneur, il m'a dit, mais entre un compte, on a fait ce que tu dis, la messe pour toi. Et je crois que tu n'es pas mal prêt à entrer au Seigneur, de trouver le style de prêtre que tu dois être pour pouvoir célébrer la messe et amener mes frères et sœurs à l'Eucharistie au Seigneur. Donc, je vous dis merci, chers frères, pour votre présence à l'Eucharistie. Comme l'a dit Jean-Rochon dans la famille, et je dis merci et merci particulier à mes frères et sœurs, avec qui nous serons au ciel, pendant le Saint-Martin, pour continuer à chanter les merveilles de Dieu. Parce que dans la chorale, c'est une lumière, à travers le chant, comme je disais, j'ai aussi découvert ma vocation et m'avait aidé à reprendre la paix du Seigneur. Je dis merci à tous d'être venus ce soir prier avec nous. Prier et aussi à tous ceux qui, à travers les médias, sont connectés et ont participé à cette célébration eucharistique. Merci pour vos prières. Que le Seigneur continue à vous bénir et vous apporter cette année 2024. Qu'il se fasse soi, on a eu le bonheur, la paix et la foi dans un avenir nouveau. Merci à tous. Yeah.